Les 10 secondes geek. La 3DS n'est pas la première console Nintendo à proposer la 3D. En effet, en 1995, il s'était déjà essayé à ce genre d'innovation et donna naissance au Virtual Boy, le plus grand flop de la firme. Elle proposait un support ressemblant à des lunettes dans lequel il y avait deux écrans noir et rouge.